Vos jeux, s'il vous plaît. Je sais pas. C'est à vous les deux. Ah oui, oui. Oui, d'accord, parce que c'était deux endroits différents, donc. C'est à moi les quatre, j'en sais rien, c'est à mes enfants. Et en fait, c'est que des lots qui vont, c'est ça? Ils vont pas à l'unité? Non. Vous vendez combien vos jeux, s'il vous plaît? C'est... Bonjour. Ah, pardon. Vous vendez combien vos jeux? Alors, les DS sont à 8 et les jeux de PS3 sont à 10. Ça, il y a une 3, elle est pas belle. C'est pas... Iron Man, ils sont sympas aussi, franchement. Ouais, par contre, elles ont un petit délire vraiment cool. Non, mais regarde, la Saiyan 3, elle est dégueulasse. Ouais. Allez, ah, elle a pris les UV et tout. Ouais. Celui-là, 8. Celui-là, 12. Celui-là, on met les doigts dessus. Les jeux de PS2, c'est 1€ et les jeux de PS3, c'est 5€. Très bien. Et les jeux de PS1 1€. 1€. Par contre, les boîtes sont pas. Ah, ouais, c'est PS1. C'est assez fragile. Ouais. Bonjour. Vous les faites combien vos jeux? 3€. D'accord. Ouais. Je t'en sors? Bah, je m'en sors, oui, mais j'ai pris. Je sais que je les ai, quoi. Ouais, c'est de autre chose. Ouais, c'est du récent. Bah, c'est du hard goal, quoi, mais après, c'est pour essayer. Oh. Tiens, déjà, c'est ça. Il ne reste plus beaucoup, hein. On voit ça. Je sais pas s'il en reste. Tu brilles, tu sais. Je brille? Oui. Vous vendez combien vos jeux, s'il vous plaît? Wallace. C'est le destin de Lisa. Bonjour. Bonjour. Bien la PSP. Complet. Mais on l'a. Chemise blanc cassé. Populé. Que les végétaires, c'est Sandar. Et Nono. On se retrouve pour un compte-rendu de vide-grenier comme tous les dimanches. N'est-ce pas? On a fait deux vide-greniers aujourd'hui. Oui. Et c'était une tuerie. Ouais. Bonne trouvaille aujourd'hui. Surtout des jeux vidéo. Ouais. Donc on va vous montrer ça tout de suite. Oui. Ah, tu veux commencer ou je commence? Je vais commencer cette fois. Moi, je vais commencer par vous présenter des petits jeux en loose. Ils étaient à 2€ et j'ai réussi à les faire baisser. 3 achetés, 1 gratuit. Donc, du coup, un petit Lego Harry Potter. Donc, on connaît pas ce jeu. On l'a acheté parce que bah, les jeux Lego avec Alès, on a toujours eu des bons avis dessus. Si on trouve la boîte, tant mieux, ça rentrera dans la collection. Pour l'instant, on l'a en loose et puis on se fera un plaisir d'y jouer. On continue ensuite avec un Inazuma Eleven 2 Tempête de glace, il me semble. Celui que Sarah n'a déjà mis en boîte, nous on l'a trouvé en loose, en 50, pareil. Donc ça passe. Je continue avec le jeu My Sims, en gros un mélange de Animal Crossing et de Sims. Sympathique de l'avoir trouvé parce que on le trouve plus tant que ça. Ouais. Puis t'adores les Sims. Oui, en plus j'adore Animal Crossing. En plus. Et le dernier jeu, c'est Harvest Moon sur DS. Donc ça, c'est un jeu, j'ai toujours rêvé d'y jouer. Je ne l'ai jamais eu. Donc là, comme j'ai vu en loose, même s'il n'y avait pas la boîte pour 1,50€, je me suis dit, oh allez, je le prends quand même, quoi, et tout. Ça fait longtemps que j'ai envie d'y jouer. Et donc je connais pas réellement. Je sais que c'est un petit jeu, on s'occupe d'une ferme. Oui, c'est ça, c'est du farming. Comme ça, c'est du farming en fait. À mon tour, moi je vais vous présenter deux jeux Xbox première génération, payés 3€ les deux. Voilà, donc un très bon prix pour des jeux Xbox. Ce sont deux jeux de super-héros, un Marvel et l'autre DC. Donc deux jeux d'action-aventure où on se balade dans la ville. C'est Superman Returns, donc le Superman hein, classique, vous baladez, vous volez, vous tuez les méchants, voilà, c'est du jeu d'aventure classique. Et le deuxième, c'est Ultimate Spider-Man, donc pareil, même principe. Ils ont l'air vraiment très très cool tous les deux. Superman, c'est un EA, je vois ça, et le Ultimate Spider-Man, c'est un Activision, pourquoi pas, à tester. Et en plus, c'est marrant, parce que le Spider-Man... Nous, on l'a trouvé sur une autre console, et vous oui. allez voir, mais c'était absolument pas prévu, en fait, on l'a remarqué en rentrant. Ouais, on a fait, oh, bah en fait, c'est le même jeu, mais pas sur la même console. Mais dis donc. Et nous, on l'a trouvé...
avec Alès sur PS2. J'ai pas grand chose à dire de plus dessus. J'ai pas dit que les miens étaient complets, mais ça vous en doutez. Hein. Le nôtre aussi est complet. On va pas vous montrer l'autre, c'est la même jaquette, c'est le même CD, ne faites pas chier, ok? Du coup, en fait, je vais vous présenter deux autres jeux sur PS2 et on a payé le tout 5€. Donc, moi, je vais vous présenter un deuxième jeu qui est The Incredible Hulk Ultimate Destruction sur PS2. Pareil, en complet. C'est un peu comme le Spider-Man, c'est tu te balades, tu tapes. Celui-là est apparemment pas très bien noté, d'après ce qu'on a vu. Mais ouais, ouais, du coup, ouais. On verra bien, on le testera. C'est pour la collège. Et le dernier, je suis ultra contente d'avoir trouvé parce que c'est une licence de jeu à laquelle je n'ai jamais joué, mais que j'ai toujours voulu y jouer, mais j'en ai jamais eu l'occasion. Et là où je vais commencer avec, du coup, sur PS2, Hitman Contrast. Donc en complet, pareil, et la boîte nickel, c'est des nickel, jaquette nickel. C'est contrat, hein. Enfin contrat d'Hitman, voilà. Moi j'ai joué à Hitman et c'est super bien, mais faut être patient. Il y a de l'infiltration, faut pas faire de bruit et tout, c'est du style, c'est ce qu'on dit. La discrétion pour moi dans les jeux est très compliquée. Bah, tu vas bien t'amuser. Voilà. Ouais, grave. On continue avec un petit lot aussi qu'on a acheté sur le même stand que vous. Aussi un peu de PS2 et aussi un cheveu, de la PS3 et de la Wii. Donc un peu de tout, ça fait plaisir. On a négocié le lot. Alors à la base, les jeux de PS3 étaient à 5€, les jeux de Wii aussi, et les jeux de PS2 ils étaient à 3€. 2€. Et du coup, on a réussi à négocier notre lot à 9€. Bien joué. Bien joué, au lieu de 14. De 14, ouais, du coup. Ouais. On a trop négocié en vrai. S'il vous plaît, s'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît. Je vais commencer par les jeux de PS2 du coup. Je commence avec un jeu que Sarah n'a absolument voulu acheter. Parce que quand il a vu la jaquette, il a dit je l'achète. Et surtout, quand on voit derrière. Ouais, surtout derrière. Il a des tétés, hein. Mais ne le dis pas. Je spoil. Et en plus, il était même pas complet. C'est un jeu en fait, en gros, de simulateur de vie avec plein de petits mini-jeux dedans. Donc c'est un jeu pas très bien noté. C'est vraiment pour. Parce que Sarah, il aime bien ce type de jeu. Ça s'appelle Seven Sins. Et voilà, vous voyez la jaquette. Un gros cul. Donc en gros, vous incarnez un mec de la jet set et du coup, il faut faire plusieurs niveaux pour atteindre en gros le summum de la jet setterie, je sais pas comment on dit. Vous avez des petits mini-jeux, vous avez vu derrière Je sais pas trop comment faut avoir les points, mais bon bref, c'est marrant. Les joysticks, c'est des tétons des tétés. On va passer à un jeu un peu moins... Bah un peu plus soft, hein, pour le coup. Est-ce que l'autre était interdit moins de 16, hein, je précise. Là, c'est un jeu 3 ans et plus. Oh, bizarrement. C'est un Yu-Gi-Oh! GX Tag Force Evolution. Voilà, le titre en entier, c'est magnifique. Jeu de cartes classique, hein, Yu-Gi-Oh! Quoi. Je passe ensuite à un petit jeu PS3 qui s'appelle Aliens vs Predator, donc un PEGI 18. Et ça, c'est vraiment cool. C'est un FPS, du coup, et moi j'adore les FPS. Sarah, lui, il aime pas jouer au FPS sur la console, mais moi j'aime bien quand même, parce que c'est plus facile que sur le PC. Il est complet. La souris, elle part pas partout. Du coup, on peut jouer en multi, Sarah et moi, et comme ça, je le massacre à ce jeu. Un Predator, lui prendra l'alien, et puis il va mourir. Il va mourir. Et enfin, le dernier jeu, c'est un jeu de Wii, c'est un jeu que ça fait très très longtemps avec Sarah, qu'on veut le choper, parce qu'à chaque fois on le voit à des prix trop élevés. Il est bien, mais on... Voilà, nous on essaie d'avoir des prix cool. C'est un Resident Evil, le 4, donc Wii Edition. Donc c'est un Resident Evil en fait qui a été fait sur PS2 et il a été réédité sur la Wii. Donc vraiment très cool parce que bah, les Resident Evil c'est génial. Il est complet, très bon état, hein, comme tous. Parce qu'en plus du coup sur la Wii on peut jouer, ça se joue avec le Nunchuck et tout ça. Donc il y a toute une jouabilité en plus. Ça cool. Fait plus de manettes à lancer quand t'as peur. Alors moi je vais vous montrer deux jeux de Wii. Encore également. De la Wii. Oui. Oui, oui, on adore la Wii, oui. Oui, oui. Cadreur. La base c'était 2€ le jeu, j'ai négocié à 3 les deux. Donc je vais commencer tout d'abord par un jeu qui s'appelle Red Steel, complet également, très beau et tout, tout ça. Rouge. Donc Alès connaît très bien ce jeu, c'est un FPS en fait où tu joues au katana et lui il adore ça, donc du coup il est très cool. Content de l'avoir trouvé. Ouais. Donc du coup voilà, ça se joue avec le Nunchuck aussi, apparemment un très bon jeu. De chez Ubisoft, Saran m'a fait savoir que c'était une pépite cachée de la Wii, donc c'est Disaster Day of Crisis. On va essayer du coup, puisqu'apparemment il est très très bien. En complet, un jeu où il y a plein de catastrophes naturelles et le but c'est d'aider les gens à survivre. Survivre entre guillemets, les soigner, machin et tout. Ça a l'air vachement intéressant. Ouais. Et nous là aussi. Voilà. On en a deux. Alors voilà, si ça vous donne envie, on vous échangera ce petit jeu contre un petit Pokémon vert feuille en boîte. Je vous présente un DVD payé 50 centimes. Donc c'est pour ça qu'on l'a acheté, parce qu'on prend pas en général les DVD, parce qu'on préfère les Blu-ray, mais oh, là bon, 50 centimes, on crache pas dessus. Et surtout que c'est un DVD super bien, enfin c'est un film en tout cas que moi j'avais beaucoup aimé. C'est un film en plus franco-canadien. C'est Silent Hill, voilà. De je ne sais plus comment s'appelle le réalisateur, excusez-moi. On le rajoutera au montage.
là, voilà. Et donc c'est un film d'horreur, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est avec une ville qui est dans le brouillard et du coup il y a des choses bizarres dedans. D'ailleurs les jeux Silent Hill sont super bien aussi, c'est cool d'avoir les DVD et en plus vous avez vu comment c'est beau? Le DVD il est beau, c'est beau les images. La pochette est belle. Puis il y a deux DVD, il y a le film et les suppléments dans le deuxième, classique. Comme dans tout coffret. Et maintenant on va lancer l'instant car par Saran. Oh yeah. Salut à tous, et oui, c'est moi qui présente l'instant carte cette fois, parce que bah il y a les deux autres là qui font leur vide-grenier, mais moi j'avais envie de faire les cartes parce que c'est mon petit truc les cartes, et que moi je suis pas dans le VG, donc je fais les cartes. Bon, cette semaine, beaucoup de cartes, quand même, je trouve. Malheureusement, il y a un vendeur qui a pas été cool parce qu'il avait des lots de 10 cartes où il y avait des trucs qui m'intéressaient dedans. C'était pas que des rares en plus qui m'intéressaient dans ces lots, hein, c'est juste qu'il y avait un peu tout au hasard, c'était pas spécialement trié. Et il a pas du tout voulu que je défasse les lots, donc les lots étaient trop chers, donc ça m'intéressait pas. Donc j'étais un petit peu dégoûté sur le VG ce matin parce que je suis passé à côté de trucs vraiment cool. En tout cas, je lui ai acheté un lot à 1,50€, un lot de 10 cartes, parce que là clairement il y avait des trucs qui m'intéressaient, et autrement des cartes à 10 centimes et à 20 centimes. Donc on va commencer par la petite carte à 10 centimes. C'est tout simplement un insécateur. L'illustration m'a beaucoup plu, j'étais vraiment sûr de pas l'avoir dans la collection, donc bah j'ai pas hésité une seule seconde, il est très beau. Et ensuite des cartes à 20 centimes. On commence par un Magikarp de Earth Gold de base. Alors celui-là je l'avais, mais j'ai demandé à Alès, il ne l'avait pas, donc c'est un petit cadeau pour lui. Tine 9 de Earth Gold, grâce à la checklist on a vu qu'on l'avait pas étonnamment, donc bon bah très bien, il rentre dans la collection. Earth Gold c'est bientôt fini d'être complété. Coxie de Earth Gold aussi, et Rondoudou de Earth Gold. Donc sur ce stand vous voyez il y avait beaucoup de cartes de Heart Gold, donc c'est pour ça que je me suis fait plaisir. Et ensuite on finit avec le lot, beaucoup de Rivers, vous allez le voir, des vieilles cartes. Je l'ai passé assez vite parce qu'il y en a pas mal. On commence avec un Camerupt en Rivers qui est vraiment magnifique. Les cartes sont en bon état en plus. Fampi de Heart Gold en Rivers. Mangriffe de Ex Emerald en Rivers, donc trop classe. J'adore ces extensions où la Rivers il y a le nom de marqué, je trouve ça vraiment très beau. À l'époque on pouvait voir, grâce au fait que le nom soit en brillant, que c'était une rare holographique en Rivers. C'est plutôt classe, on reconnaît tout de suite les holo Rivers. Pachirizu en Rivers. Lumivol en Rivers. Zarbi en Rivers. Capoeira trop cool de Aquapolis en Reverse, donc ça je suis très content aussi, les Aquapolis j'en ai très peu, en Reverse encore moins. Flagados en Reverse toujours, Trio Picker en Reverse, Ex Garden Crystal, donc c'est une holo toujours grâce au fait que ce soit en brillant. Scarino, Philali de McDo, bon elle était dans le lot alors on y va, hein, c'est pas grave. Pikachu de McDo, pareil. Rose Bouton en Reverse, Evoli en Reverse, très joli aussi. Et on finit par un Infect en Reverse. Pas des cartes extrêmement rares, mais des cartes en tout cas qui rentrent dans ma collection. Pour le coup tout le lot en Reverse, là je sais pas, j'en ai peut-être une ou deux que j'ai déjà dans la collecte, mais c'est pas grave, il y en a beaucoup que je n'ai pas, et toutes les autres du coup de Earth Gold, je suis sûr de pas les avoir, donc ça rentre dans la collecte, je suis très content. Gros bisous, et je vous laisse avec les deux autres Google pour le vide-grenier. On passe maintenant à un jeu de Game Boy Color, c'est pas tous les jours qu'on en trouve, ça c'est sûr, enfin toutes les semaines plutôt. Et c'est un jeu en loose malheureusement, mais bon, on était très contents de tomber dessus, enfin surtout Saran, parce que c'est un Pokémon, mais pas n'importe lequel, c'est un Pokémon Pinball. Donc la cartouche est grosse comme ça parce qu'en fait on peut mettre une pile dedans et ça fait des vibrations. C'est un jeu de Flipper avec des Pokémon dedans. C'est un jeu avec un dauphin? Mais non, pas Flipper le dauphin, Flipper le jeu avec les billes. C'est un jeu où en fait les billes c'est les Pokémon. Tu les éclates partout sur le jeu. Paf paf. C'est un jeu où le but c'est de péter le score comme tous les pinballs et aussi d'attraper les 151 Pokémon. Et en plus on l'a payé que 2€ au lieu de 3€. Bon déjà il était pas cher de base, mais du coup on l'a négocié à deux, donc ça fait vraiment plaisir. Je vais poursuivre sur un jeu de PS3, donc un jeu que tout le monde connaît. Enfin c'est une licence que tout le monde connaît. Ouais, normalement. Ouais. Non, normalement si vous connaissez pas, vous venez de naître. Et c'est GTA V sur PS3. Yeah. Donc il est pas complet, malheureusement il n'y a que le CD. Mais bon on l'a payé 5€. On enchaîne avec deux jeux de DS, un de 3DS, un de DS tout court. J'ai négocié les deux pour 7€, donc super contente. Les Sims 2 Animo & Co, donc même principe que les Sims, enfin là du coup c'est sur DS, donc c'est vous dirigez une clinique vétérinaire, voilà, il faut s'occuper des petits animaux et tout ça. Et on peut jouer en plus en multi complet. Et le deuxième jeu, c'est un jeu donc de 3DS si vous avez bien suivi, Mario et Sonic aux Jeux Olympiques de Londres 2012. Vous savez que j'adore Mario et Sonic aux Jeux Olympiques. Je crois que c'est l'un des derniers, mais vous me redirez ça parce que 2012 il me semble que c'est l'un des derniers. Je pense pas qu'ils en aient refait depuis, mais vous me direz. Je vais vous montrer une peluche très atypique, hein, quand on va pas souvent, puisque c'est une peluche de Robert Rue. La peluche, bien sûr, c'est Marie des Aristochats. Bien sûr, avec la barbe de Robert Rue. Bien sûr, moi je reconnais pas un verso, mais si tu veux, c'est bien sûr Marie, bah oui. Donc j'avais déjà acheté une peluche dans le même style, la Simba. Où c'est une peluche toute ronde comme ça avec des petits bras et des petites jambes. Et est-ce qu'elle a de la barbe aussi, la Simba? Non, la Simba elle a pas de barbe, c'est payé de Robert Rue, la Simba. J'ai payé 3€ la petite peluche Robert Rue. De Robert Rue. Robert Rue, sa petite queue poilue. Oh, et un petit nœud dans les cheveux. On va faire un montage. La tête de Robert Rue. Avec un nœud dans les cheveux. On lui mettra un serre-tête oreille de chat. Bonjour.
articulé. En vrai, je vous montre vraiment un petit truc blanc et rond. C'est mes boules. Ça a rapport avec ce que je viens de vous montrer. Hein. En fait, à la base, c'est pour les chats. Mais là, du coup, on l'a pris parce que c'est pour Oh, qui collectionne les souris. C'est une petite souris pour, en fait, normalement, c'est un distributeur de croquettes. Comme ça, les chats, ils jouent avec. Donc, ils mangent, ils font de l'exercice. Comme ça, ils ne deviennent pas aussi gros que le mien. Je vais enchaîner sur un jeu de DS qui est très connu aussi, mais qui est assez vieux. C'est les Sims 2 sur DS, donc en complet. C'est le vide-grenier des Sims aujourd'hui. Ouais, le vide-grenier des Sims, de ouf. Vous incarnez un personnage, vous êtes dans la ville de Zartville. Et donc c'est un jeu en 3D. Vous pouvez vous acheter des chambres, des appartements, vous pouvez vous acheter des meubles. C'est très cool, c'est très sympa comme jeu. Et je l'ai payé 2€. J'ai pas négocié, ils m'ont dit 2, j'ai fait je prends. Je vais moi vous montrer un item qui me tenait beaucoup à cœur. Parce que j'aime beaucoup ce monsieur. On dirait une enfant qui récite un poème pour la oui, fête des mères. Parce que bah, en même temps, ça va bien avec le monsieur. J'ai fait l'enfant, il aimait beaucoup ça. Mais qui est donc ce monsieur dont on parle si souvent qui aime beaucoup les enfants? Michael Jackson! Le Père Noël! Le Père Noël. C'est de l'ignorance. Donc c'est Moonwalk by Michael Jackson. C'est en fait son autobiographie très romancée, hein, d'après ce que j'en avais lu. Je ne l'ai jamais lu, donc j'étais très curieuse et j'avais beaucoup beaucoup envie de la voir parce que c'est très culte en fait quand on est fan de Michael Jackson, il faut lire Moonwalk. Ce qui est super bien dans celle-ci, c'est qu'il y a des magnifiques photos. Donc c'est des photos glacées en fait et du coup c'est trop beau. Je l'ai payé 5€, c'est un peu beaucoup. J'ai essayé de négocier à 4€, elle a pas voulu, la dame. Elle me dit ouais mais je l'ai acheté à 21€ à l'époque. Ça fait un moment que je le cherchais et du coup là j'ai dit allez, je me lance, je me l'achète. J'ai continué sur de la DS mais de la 3DS cette fois. Deux jeux, c'était un lot 5€ le jeu et du coup j'ai négocié à 8, les deux. Super Mario 3D Land sur 3DS, il est pas complet. Et le deuxième jeu c'est Super Mario Bros 2. Celui-là c'est pareil, il est pas en complet. C'est pas très grave, on met le guide rapide au-dessus oui. Et ça fait comme... Voilà. Ah, vous y voyez. C'est de la triche. Vous voyez là, il n'y a pas de notice? Ben non, vous voyez pas. Il y a une notice. Et voilà, deux petits jeux de 3DS pour 8€. Yeah, au lieu de 10. Toi, tu as fait de la 3DS, et ben moi, je vais faire de la PSP. 4 jeux de PSP, donc la dame déjà, elle savait pas qu'elle en avait 2 sur les 4. On lui a dit, c'est à vous aussi les jeux? Elle fait, ah bon? C'est à moi? C'est pas à vous? Bah, je vous fais les 5€ les 4. Ok, madame. Voilà, donc 5€ les 4, c'est cool. Donc en plus, ce sont des titres super cool. On va commencer par les deux moins bien, on va dire, mais bon, c'est cool. Deux buzz. Le premier, c'est Quiz World, et l'autre, c'est Brain Twister. Ce sont des jeux de QCM en gros. Celui-là, c'est plus casse-tête, on va dire. Et celui-là, c'est plus culture G. Les jeux sont tous complets en plus, et ça, c'est trop cool. Comme neuf, en plus, sont en super bon état. Les deux prochains jeux, donc ce sont deux jeux super cool. Je commence par le Loco Roco 2. Donc, c'est un jeu de plateforme assez space, enfin, c'est très typique. C'est avec des formes toutes mignonnes, et en fait, on grossit dans le monde et tout, on se déplace, et c'est super mignon quoi. Très dessin animé, mais c'est super beau. Complet, comme tous les autres. Hop, je vous le montre. Et le dernier, c'est un jeu trop trop bien. C'est la licence Rock et Daxter. C'est Daxter tout court. Donc c'est la fameuse moitié belette, moitié loutre. Il est trop mignon. Un jeu de plateforme aussi, mais super cool et super culte. Donc voilà, trop trop cool de tomber là-dessus aussi. Complet. Trop trop cool, trop cool, trop cool, trop cool. En plus, on peut jouer à deux avec la Wi-Fi. Je vais continuer sur une petite figurine de Lilo et Stitch. Bon après, figurine est un bien grand mot. Ce sont les jouets McDo. Parce que pendant, il y a eu un moment où ils ont fait plein de jouets McDo, Lilo et Stitch. Et du coup, que j'ai payé 30 centimes, c'est Nani, la grande sœur de Lilo. Déjà que j'aime pas Lilo et Stitch, mais en plus, je déteste ce personnage. Elle a le rôle de la grande sœur chiante, mais bon... Elle est jamais là en plus. Elle est tout... Là, vas-y, je laisse ma petite sœur faire ça. Elle est tout chaude d'un côté quand à la fin du premier film où Lilo elle se fait enlever, tout ça c'est un peu tout. Ouais, genre c'est normal quoi. Lilo elle se fait enlever, genre et sa soeur elle est où? Avant de clôturer ce vide-grenier par nos deux coups de fusil, je vais vous montrer un mini coup de fusil parce que c'est un jeu qui n'est pas complet. Du coup, ça ne peut pas être un coup de fusil même si on ne l'a payé que 6€. C'est un Pokémon version. Diamant, le voici sur Nintendo DS. Il n'est pas complet, comme je vous l'ai dit. Si un jour on tombe sur la notice, on sera super content parce voilà. Que les Pokémon, ils se font rares. Sinon, ils sont trop chers et du coup, c'est chiant. 6€ le jeu. 6€ le jeu. Va. Alors qu'il était à 10 à la base. Robert Ru, merde. Je vais passer à mon coup de fusil. C'est toujours du Lilo et Stitch, hein, forcément. Un item qu'on ne voit pas souvent non, du vrai. Tout. Déjà, du Lilo et Stitch, on n'en voit pas beaucoup de base. C'est une peluche, un Stitch rouge. Alors le Stitch rouge, en fait, il vient du deuxième ou troisième film. Je
sais plus, un des deux. En fait, Stitch se fait cloner et tous ses clones sont des méchants Stitch. Ils sont méchants. Donc du coup, voilà. Et du coup, elle a été payée 2,50. Et voilà. C'est pas cher en plus pour pas cher Stitch. En plus, ouais, pas du tout. Le coup de fusil, pour ma part, c'est un jeu de GameCube que Sarah l'a trouvé. Donc c'est un peu son coup de fusil à lui, mais en même temps, c'est un jeu super cool. Alors, il n'est pas connu, mais en tout cas, il est bien noté et il a l'air vraiment cool. C'est en plus un jeu qui plaît vachement à Sarah parce qu'il y a des boobs. Il était à 6€, il a été négocié à 3€, donc moitié prix. Donc ça, c'est du coup de fusil. Et en plus, c'est un stand de revendeur. C'est un jeu GameCube et c'est un jeu qui s'appelle Beach Spikers. C'est un jeu de volleyball avec des girls en maillot de bain. Oh putain, elles font peur. Elles ont des jambes immenses. Regardez-moi, ces tangas là, elles ont des culottes énormes, elles ont des jambes énormes. C'est un peu dans le délire de Dead or Alive Beach Volley là qu'ils avaient fait là, le spécial Beach Volley. C'est Sega qui édite ça et c'est licencié par Nintendo. Complet, voilà. Et donc on a été très surpris, donc on le connaissait pas, donc on a été voir un peu sur les internets. Et il est très bien noté, donc c'est trop cool. Il est à faire, c'est super cool. Un très bon vide-grenier au final, plein de jeux vidéo. On va beaucoup jouer. Un peu pour tout le monde, ça fait plaisir. Très voilà. Satisfait. Ouais. Et du coup sur ce, on vous fait plein de petits bisous et on vous dit à la semaine prochaine pour un nouveau VG et à mardi pour le mardi Let's play by me.